Sorry, problème technique. J'ai un peu de lag de mon côté, donc on va streamer du côté de Destroy. Puis on va essayer de revenir sur mon stream un petit peu plus tard là, si Destroy vient qu'à jouer. Donc what's up Destroy? Salut. Penses-tu qu'on va être capable de l'écouter cette game-là? Pas sûr. En ce moment, je pense que oui, j'aurais pas lagué. Non, ouais, moi non plus. T'as une bonne connexion là. Vidéotron, hein? C'est pas belle. C'est là qu'on voit, là. On fait un petit peu de pub pour Vidéotron présentement. Il me paye même pas. Me paye avant quand j'étais technicien, là. Bon, alright, Isaac Rowe versus Shadow Zivizi. Control N, Destroy. Yes. Donc dans le coin droit en haut, Shadow de Québec Official, et dans le coin gauche en bas, Dysac Rowe de FRE. Là on a une très bonne qualité, là, zéro lag. Zéro lag, 720p. Parce que moi, de mon côté, ça tirait la game, plus le stream, plus le VoIP. Ma connexion, j'ai à peu près, je dirais, 600 kilobytes seconde. Puis je suis quand même capable de les streamer, là, les tournois d'habitude. Là. C'est juste quand il y a du lag ou quelqu'un qui tire un peu de jus quelque part, je perds la connexion. Là. Ça doit descendre à 100, 200, là, c'est pas assez. Fast Scout d'Isaac Rowe. Effectivement, je pense qu'il va aller voir si ça pas cheese ou quelque chose comme ça. Ou si normalement je fais ça, puis après ça j'essaie de bloquer le fast expand là. Ouais, avec ce drone là. Exactement. Là on prend le gaz avant la poule. Côté d'Isaac, on y va pour un fast expand. 3 units sur le gaz direct. Je pense que Shadow va y aller all-in là, cette game-là. Il va sûrement faire one base mainling, mais peut-être deux bases, mais ça va être une macro hatch. Parce que là, du côté de d'Isaac Rowe, on a toujours pas de pool, toujours pas de gaz. Donc on va avoir le speed avant. Puis si on décide d'aller mainling, on va l'avoir avant aussi. La poule est bientôt prête. Si on va bientôt scouter l'expa le d'Isaac. Et voilà, c'est scouté. Qu'on a le speed on the way, on décide de pas faire de bane. On a enlevé la gaz pour Shadow. Qu'on veut chialer sur un speedling. Vous décidez peut-être d'expand. Ouais. Ouais, c'est peut-être mind game puis speedling là, c'est bon. Malgré que Dysac Rowe a l'air de scouter pas mal. Là. Donc 6 dragons en production pour les deux côtés. Par contre, on a un speed bientôt fait pour Shadow. Ah ouais, vraiment trois bien. Quarts. Un petit peu plus. La B2 à moitié chemin. Je pense qu'on va y aller encore pour un mode défensif pour Dysac. Il devrait pouvoir... il va faire un Baneling Nest sûrement dans pas long. Avec un speed qui vient de commencer. Ouf, hein? Une méchante différence là. On va y aller pour un speedling. Shadow qui a le Metabolic Boost. Les Zerglings descendent dans la rampe, on voit les 4 Zerglings, 6 Zerglings. Exactement, on risque de tous les perdre. Ah ouais, c'est officiel. Les va essayer de gagner du temps les envoyant ailleurs, mais... Mais non. Ouf. Les Zerglings qui descendent, on va aller dans B2. Le Baneling Nest va être scouté tout de suite. Deux Spinecrawler on the way. Oh, les Zerglings!
Oh. Ouf. Je suis pas sûr que Gros c'est... push de Shadow, là. Gros Exactement. push. Je pense pas que c'est une bonne décision de target ça, mais... Parce qu'on a gagné du temps là, du côté d'Isaac là. Ah ouais, décidément, hein, il aurait fallu monter dans le round Ouais, direct. exactement. Et Vous là, le voyez, là, il y a un spine Spinecrawler, le crawler deuxième bientôt 2. Spinecrawler qui est prêt. Hein. Je pense qu'on va focus juste la B2, puis... Ah ouais, on va focuser de B2, ça va au moins valoir la peine, mais là, après ça, faudrait peut-être un petit peu plus que ça. La Queen qui bloque bien la rampe. On fait toujours des urlines des deux côtés. 18 urlines pour Shadow on the way. On voit un net avantage à la population aussi là, 28 contre 42, énorme. Ah ouais. On va s'attaquer à une spine crawler, je suis pas sûr que c'est le bon choix. Non, hein, on va perdre bien des Ouais, Urglings, là. exactement. Yee. Je pense faut juste focus la Focus B2 là, B2, puis focus B2. peut-être aller Baneling là, du côté de Shadow là. On commence à miner du gaz en fait. 44 de gaz. Donc on va aller sur un Baneling. Transition. Probablement. Spinecrawler, il la bouge La entre sa B2 qui va B2, mais tomber, je pense. ouais, elle va tomber. Elle devrait tomber en tout Ouh. Oh, les Urglings qui font un harass total là, dans la base d'Isaac Rowe. Là, on a toujours pas posé le Spinecrawler. Oh, le On commence à le Spinecrawler qui spawn. va se poser. Ah, il va mourir avant. Ah oh, ouais, c'est sûr. Bon jeu de Shadow là-dessus. Oh, ouais. Là, il faudrait focus la B2 pour plus Ah, va qu'on fasse tomber, deux bien. urlines. Ouais. Faudrait juste la Ouais, non, focus je deux urlines. comprends. Ouais, il y a des larves qui arrêtent pas de tomber. Hein. Il y a beaucoup de Zerglings qui vont dans la base d'Isaac Rowe, là, comme ça, en début de match. C'est vraiment pushy. Effectivement, on a un Baneling Nest on the way pour Shadow. Je pourrais pas dire, je pense pas que c'est un tenpool. Non, c'est un 13 pool, 13-13. Ou un 14. Ouais, 14. 14. 10 pool, ça aurait été beaucoup plus rapide que ça. On a un Lair on the way, je pense que désespéré, il va essayer de one base Muta. Je pense pas que ça va le faire là-dessus, là. Ah non non non, là Là, on est... on perd toutes les drones là, qui tombent présentement là. Exactement, là, on est rendu à 5 drones, Ouf! 4 drones. On devrait Oh non avoir un non non, GG, voilà hey. un Ah ouais, GG. GG. GG, nice work, Shadow. Donc, Québec Official 2, FRE 2. Nice work, nice game. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'était pas mal épique. Parfait, faut qu'on revienne dans 5 minutes à peu près.